الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الموحدون، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا عباد الله، إن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد. أو سيرفيتور الله، la chose la plus importante qu'Allah il a ordonné c'est le tawhid. Et juste avant j'ai dit, ô vous les musulmans, ô vous les mouahidines, craignez Allah. Craignez Allah de la façon dont il doit être craint. Et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. C'est-à-dire musulmans. Donc ce que j'ai dit, c'est que la chose la plus importante, c'est le tawhid. La chose la plus importante qu'Allah il a ordonné, c'est le tawhid. وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ هُوَ الشِّرْكُ. Et la chose la plus importante qu'il a interdite, c'est quoi? C'est le shirk. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah le Très-Haut a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. فالتوحيد هو أعظم واجب على كل مسلم. Le tawhid, c'est donc la chose la plus importante, l'obligation la plus importante pour chaque musulman. وهو أساس الدين, et c'est la base de la religion. وركنه الركين, et c'est son pilier fondamental. والتوحيد يعني إفراد الله بالعبادة دون سواه. Et le tawhid, ça veut dire quoi? C'est-à-dire unifier Allah avec l'adoration, seul, sans associé, uniquement lui. والإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر لكل شيء. Donc le premier c'est tawhid al-ibada, et après ça c'est tawhid rububiyya, reconnaître qu'Allah c'est le créateur, le pourvoyeur, l'organisateur de toutes choses. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو توحيد الربوبية. Ce verset là il englobe aussi توحيد الربوبية. كما يجب علينا توحيد الله في أسمائه وصفاته. Il est obligatoire aussi pour nous de unifier Allah Azza wa Jalla dans ses noms et ses attributs. فلا نشبهه بخلقه ولا نعطله عن صفاته. On ne doit le faire ressembler à aucune des créatures, et on ne doit pas l'exempter de ses attributs ou les renier. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah il a dit quoi? Rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient, l'omniscient, le voyant. Ya ibad Allah, inna at-tawhid huwa miftah al-jannah. Ô serviteur d'Allah, le tawhid c'est la clé du paradis. Faman mata muwahhidan dakhala al-jannah. Celui qui meurt monothéiste, il rentre au paradis. Wa man mata mushrikan faqad harrama alayhi al-jannah. Qu'Allah nous en préserve. Et celui qui meurt polythéiste, Allah il lui a interdit l'enfer. Vous vous rendez compte? Allah il lui a interdit l'enfer. Allah il lui a interdit le paradis, pardon. Allah il lui a interdit le paradis. Excusez-moi. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a point de divinité si ce n'est Allah digne d'adoration rentrera au paradis. Et il a bien utilisé le terme وهو يعلم, rapporté par Muslim, c'est-à-dire tout en le sachant, la connaissance. Allah il a dit aussi عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Allah il a dit aussi, nulle contrainte en religion, certes le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Celui qui mécroit donc au tagout et qui croit en Allah a certes saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. والله سميع عليم. Et Allah est audient et omniscient.
قال الله عز وجل قال ولقد بعثنا في كل وعليكم السلام ورحمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله il a dit aussi, on a envoyé dans chaque communauté, c'est un verset très important celui-là, subhanallah. On a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Donc c'est le message unique de tous les prophètes. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ Et parmi eux, Allah, il y en a certains qu'Allah a guidés. Il parle des gens. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلِي الضَّلَالَ Et parmi eux, il y a dans laquelle l'égarement s'est réalisé. En eux. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ Parcourez donc la terre. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Et regardez comment était la fin des menteurs. De ceux qui ont démenti les prophètes et les messagers. قال الله تعالى الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوه وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الله il a dit aussi en parlant du tarout ceux qui ont se sont écartés qui se sont écartés du tarout qui se sont écartés qui ne l'ont pas adoré وانابوا الى الله qui sont allés croyants adorateurs vers Allah عز وجل لهم البشرى ils ont une bonne nouvelle فَبَشِّرْ عِبَادَ Alors annonce la bonne nouvelle aux serviteurs. قال الله تعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا وَيَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qu'on a fait descendre vers toi et en ce qu'on a fait descendre avant toi يُرِيدُونَ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ Ils veulent se faire juger par le tarout. وَقَدْ أُمِرُوا يَكْفُرُوا بِهِ Alors qu'on leur a ordonné de mécroire en lui. Ça parlait de tawarit humain, Ka'b ibn Ashraf, dans les tafassir, etc. Les gens, ils voulaient aller se faire juger par le tarout au lieu d'aller prendre l'ordre du messager d'Allah et la décision du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. وَقَدْ أُمِرُوا يَكْفُرُوا بِهِ Et Dieu sait combien il y a de tawarit sur terre aujourd'hui. Alors qu'ils ont été ordonnés de mécroire en lui. ويريد الشيطان et le but du diable c'est quoi ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا et le diable c'est son but c'est de les égarer d'un égarement lointain قال الله تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الله il a dit quoi ceux qui ont cru ils combattent au service d'Allah et ceux qui ont mécru combattent au service du tagout فقاتلوا أولياء الشيطان combattez donc les alliés du diable إن كيد الشيطان كان ضعيفا certes la ruse du diable elle est faible إخواتي pourquoi je vous ai ramené tous ces versets là parce qu'on entend souvent le mot tarout et il y a beaucoup de gens à notre époque qui ne comprennent pas encore ce que c'est que le tarout et qui ne savent pas s'en désavouer et ils ne savent pas que s'ils ne s'en désavouent pas ils ne rentreront pas au paradis فهذه الآيات تؤكد على ضرورة الكفر بالطاغوت والاجتناب عنه Ces versets, elles nous confirment et ils nous montrent l'importance de mécroire au tarout et de s'en écarter. وَتُوَضِّحُ أَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ هُوَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ Et elles montrent aussi clairement que la foi en Allah, c'est quoi? C'est la voie droite. بَيْنَمَا أَتْبَعُ الطَّرُوتُ يُؤْدِي إِلَى الضَّلَالِ وَالضَّيَاءِ Tandis que suivre Le tawarit ou le tarout, ça t'emmène vers l'égarement et la perte évidente. فالتاروت في القرآن الكريم يمثل كل ما يعبد من دون الله. Donc le tarout dans le Coran qu'on a entendu, là j'ai ramené que des versets. Hein. Pour pas que les gens disent on vient avec une nouvelle religion. C'est ce qu'ils disent les mouahidines. Ils appellent les mouahidines khawarij, ils appellent les mouahidines takfirin, etc. Des nouveaux termes. Alors qu'on est venu avec la religion, on est venu avec la religion des prophètes. Donc, فالطاغوت في القرآن الكريم يمثل كل ما يعبد من دون الله. Le tarout donc représente tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. أو كل ما تجاوز حده في العصيان والكفر. Ou ça englobe aussi tout ce qui dépasse ses limites, que ce soit dans la désobéissance ou la mécréance. ومن أجمل المعاني التي وردت عن العلماء الكبار
Je vais venir avec les meilleurs sens de ceux qui ont expliqué le sens du mot tarout. On a la parole d'Ibn Qayyim par exemple qui dit At-tarout kullu ma tajawaza al-'abdu bihi haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Excusez-moi. Ibn Qayyim dit quoi? Il dit le tarout, c'est tout ce par quoi le serviteur dépasse les limites. Qu'il soit adoré, donc ça c'est le pire, comme Iblis, ou d'autres exemples, ou matbou, ou Firaun, etc. Ou matbou, suivi, ou obéi. Bien sûr, suivi en dehors du suivi d'Allah et de son messager, et obéi en dehors d'Allah et de son messager. Fatarutu kulli qawmin. C'est toujours la parole d'Ibn Qayyim qui dit ça. Le tarout de chaque peuple, c'est qui? Et lui, il a commencé par ça. مَنْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. C'est celui dont les gens vont se faire juger auprès de lui. Regardez l'état des pays arabes aujourd'hui. Ils jugent avec les lois d'Allah ou ils jugent avec les lois des hommes? Ils jugent avec les lois des hommes. فَهَذِهِ طَوَارِيتِ وَمَنْ يَحْكُمُ بِهَا طَارُوتِ. C'est donc des tawarites et ceux qui jugent avec, c'est un tarout. Et c'est rempli de tawarites. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc, فَتَارُوتُ كُلِّ قَوْمٍ مَنْ يَتَحَكَمُونَ إِلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ce sont donc le tarout de chaque peuple, c'est ceux dont on va se faire juger auprès d'eux, en dehors d'Allah et de son messager, ou أَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Vous vous rendez compte, il l'a mis en deuxième, alors que la ibada, c'est, ça nous paraît plus important. Mais il a parlé du tahakkum avant la ibada. Ou il se fait adorer en dehors d'Allah, ou yattabi'unahu ala ghayri basirat min Allah, ou ils le suivent sans avoir une clairvoyance en fonction de la religion d'Allah. Ou yuti'unahu fima la ya'lamun annahu ta'atun lillah, ou alors ils l'obéissent sans savoir que c'est une obéissance à Allah. Ils auraient dû obéir à Allah et pas au tarout. فَهَذِهِ طَوَارِيتُ الْعَالَمِ. Cela sont les tawarites du monde. إِذَا تَأَمَّلْتَهَا. Lorsque tu l'analyses, les analyses. وَتَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسَ مَعَهَا. وَتَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا. Et si tu analyses l'état des gens avec l'état de ces tawarites-là, رَأَيْتَ أَكْثَرَهُمْ عَدَلُوا عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَى عَبَادَةِ الطَّاغُوتِ. Tu vas voir que la plupart des gens ont dévié de l'adoration d'Allah et ils sont partis adorer le tarout. Et wa an tahakumi ila Allah wa rasulih ila sallallahu alayhi wa sallam ila tahakumi ila tarout. Et aussi qu'ils ont dévié de se faire juger par Allah et son messager vers le fait de se faire juger par le tarout. Ou et aussi, il n'a pas dit où, il a dit et aussi de sa son obéissance, c'est-à-dire de l'obéissance à Allah et le suivi du messager vers l'obéissance au tarout. Ça c'est une parole connue que je vais répéter. فالله الله إخواني تمسكوا بأصل دينكم أو mes frères accrochez-vous à la base de votre religion. أوله وآخره son début et sa fin. أسه ورأسه sa base et sa tête. C'est quoi? شهادة أن لا إله إلا الله. Le premier pilier de l'islam. شهادة أن لا إله إلا الله. Un témoignage qui est basé sur une science. On peut pas témoigner sans science. Si tu témoignes sans science, t'es un menteur. Ah, merci. Bismillah. Wa'arifu ma'naha. Écoutez. Et connaissez son sens. Apprenez son sens. Wa'ahibbu ahlaha. Wa'ahibbuha. Et apprenez son sens et aimez-la. Aimez son sens. Wa'ahibbu ahlaha. Et aimez les gens de cette parole-là. Waj'aluhum ikhwanakum. Effacez et faites qu'ils soient vos frères.
ولو كانوا بعيدين et même s'ils sont lointains. وكفروا بالطواغيت et mécroyez aux طواغيت. وعادوهم et prenez-les pour ennemis. وابغضوهم et détestez-les. وابغضوا من أحبهم et détestez ceux qui les aiment. أو جادل عنهم ou qui polémique en leur faveur. أو لم يكفرهم ou qui ne les rend pas mécréants. Ou qui dit tout simplement وَقَالَ مَا عَلَيَّ مِنْهُمْ. Il dit bon ça ne me regarde pas, il ne veut pas se casser la tête. أو قال مَا كَلَّفَنِ اللَّهُ بِهِمْ سُبْحَانَ. Ou il va dire tout simplement oh, Allah il ne m'a pas chargé d'eux, ça ne me regarde pas ces histoires là. Ben il dit lui, l'imam il dit quoi sur cet homme là qui dit cette parole là? Il dit فَقَدْ كَذَبَ هَذَا. Ça c'est un menteur, il a menti sur Allah. فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهُ وَفْتَرَ. Et il a inventé. Car pourquoi? فَقَدْ كَلَّفَهُ اللَّهُ بِهِمْ. Allah il les a chargés d'eux. وَفْتَرَدَ عَلَيْهِمْ الْكُفْرُ بِهِمْ. Et Allah leur a imposé comme obligation de mécroire en eux. وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ. Et le désaveu de eux. وَلَوْ كَانُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ. Et même si c'est leurs frères ou leurs enfants. فَاللَّهَ اللَّهَ تَمَسَّكُوا بِذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا. Allah Allah, accrochez-vous à cela. Peut-être que vous rencontrerez votre Seigneur sans rien lui associer. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Oh Allah, fasse de nous qu'on meurt musulman et fais-nous rejoindre les pieux. Et j'entends une dernière parole sur ce sujet-là et on va clôturer bi'idhnillah. Wa yaqulu Sheikh Abdul Latif al-Sheikh. Wal mar'u qad yanju min ash-shirk wa yuhibbu at-tawhid. Il dit l'être humain, il peut certes ne pas faire de shirk et il peut aimer le tawhid. Ok? لكن يأتيه الخلل من عدم البراءة من أهل الشرك. Mais le problème, il va lui venir de quoi? Dans le fait de ne pas se désavouer des gens du shirk. C'est-à-dire de se désavouer, c'est-à-dire de les considérer toujours comme ses frères en islam. Parce que si c'est les gens du shirk, si c'est les gens qui adorent autre qu'Allah, ou qui font partie des mouchriquines, tu ne peux pas les considérer de ta religion. Donc il dit, là, le problème il peut venir de cela. Et aussi le fait de délaisser l'alliance, c'est-à-dire être ami des gens du tawhid. Et de les secourir. Il suivrait donc son, plus sa passion. Il sortirait donc du shirk vers des différentes branches. Qui détruirait sa religion et ce qu'il a fondé. En délaissant du tawhid des bases et des branches. Qui ne peut être, comment dire, valable avec sa foi. الذي ارتضى, c'est-à-dire qu'Allah lui a agréé. فلا يحب ولا يبغض ولا يعادي ولا يوالي للجلال من انشاه وسواه. Il n'aime donc pas et il ne déteste donc pas et il ne devient pas ennemi pour ceux pourquoi Allah l'a préparé et l'a créé. Donc il fait pas tout ça en fait. وكل هذا يؤخذ من شهادة لا اله الا الله. Et tout ce qu'il vient de citer là, ça fait partie du sens de la ilaha illallah. Ayyuhal muslimoun, oh vous les musulmans, nahnu fi yawmi Eid al-Adha, nous sommes dans le jour de Eid al-Adha, al-Mubarak, le béni. Natadhakkaru qissata Ibrahim, on doit se rappeler aussi l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Hina ma amarahum Allahu bi dhabhi Ismaïl ibnihi. Lorsqu'Allah lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaïl. فاستجاب لأمر الله. Ce prophète, il a répondu à l'ordre d'Allah. Il allait sacrifier son fils. بكل طاعة وتسليم. En étant obéissant et en pleine soumission. ففداه الله بذبح عظيم. Et Allah, il a récompensé en lui donnant
en lui donnant le vin à égorger. هذا هو معنى التوحيد. Et là aussi, ça fait partie du sens du tawhid. أن يكون حب الله وطاعته فوق كل شيء. Que l'amour d'Allah et son obéissance, elle soit au-dessus de toute chose. فلنحرص جميعا على تحقيق التوحيد. Nous devons donc tous faire attention à la réalisation du tawhid. في قلوبنا وأعمالنا. Dans notre cœur et dans nos actions. لنتعبد عن كل ما يناقضه عن الشرك والبدع والخرافات. Pour qu'on puisse adorer. Pour qu'on puisse s'éloigner, voilà, là c'est un sens. Pour qu'on puisse s'éloigner, عن كل ما يناقضه من الشرك. Pour qu'on puisse s'éloigner de tout ce qui va contredire cette foi-là, ce tawhid, comme quoi, comme l'association, le shirk, ou les innovations, ou les inventions. نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه وهو راضي عنا. On demande à Allah Azza wa Jalla qui fasse que on puisse être rester ferme sur notre religion, sur le tawhid, jusqu'à ce qu'on puisse le rencontrer. اللهم اهدنا في من هديت وعافينا من في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اجعلنا من الموحدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله وأطيعوه واستمسكوا بالتوحيد فهو ركن الأساس. ولا تنسوا الذكرى والدعاء في هذا اليوم المبارك. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وبارك. مبروك تقبل الله.